Bonjour, c'est Gadu et bienvenue sur Gadu Gaming pour l'épisode 5 du Let's Play de Sunken Land en compagnie de Rick et TVH. Et on se reprend à la base avec la magnifique vue comme d'habitude en plein jour parce qu'on vient de dormir, on est full vie, on est full bouffe, on est full boisson, et on est full stamina, ou presque. Et on est prêt à aller farmer encore un petit peu puisque dernière vidéo on a été améliorer la base, enfin améliorer, nous améliorer globalement. La base pas encore, on va le faire aussi, hein, mais ça va demander du métal, sachant que qui a des petits chauchons, hein, des petits chaussons, pardon. Des petits chauchons. Des chauchons. C'est pas des chauchons que t'as, toi? Non. J'ai des baskets. Des chaussures en toile B. Bon, je vais pas savoir. Parce que à mon avis, B, ça a rien à voir. C'est... En fait, il y a plein de trucs avec des B, là. Non, c'est des... Ah non, c'est des BS. C'est ça. Non, parce que moi j'ai chopé des pantalons B aussi, hein, donc ça n'a rien à voir. Mais bon, c'est pas le sujet. Ce que je propose. Sur BS là. On va pas s'attarder sur les chaussons de TVH, d'accord. Et on va aller farmer la base qu'on n'avait pas encore farmée la dernière vidéo en revenant du trader. Pour ceux qui ont suivi la vidéo, si vous l'avez pas suivi, allez jeter un œil, c'est pas mal, c'est intéressant. Il y a plein de choses qui ont été améliorées, donc du coup c'est vraiment un palier pour nous. Mais là, il faut vraiment farmer en fait les ressources. Donc on va retourner près du Neptune qui est là. Enfin, près du Neptune. Près de Neptune, ça s'appelle Neptune. C'est un bateau, donc ça correspond. Et on va voir ce qui s'y trame, même si je suppose qu'il y aura encore une fois des ressources. Rick, est-ce que tu es prêt? Ouais, je viens de manger, je suis aux trois quarts, la flotte aussi. Donc... Est-ce que t'as de la boisson? T'as de la boisson pour le moteur du bateau, pas de la boisson pour toi. Hein. Ah, ouais. Et comment on divise au fait, vous avez trouvé? Non. Oui, tu me prends et au lieu de jeter en bas de... En bas, t'as divisé. Ah oui, c'est vrai. Ça, c'est en bas, ah à droite, les yeux. C'est vrai. Je l'avais c'est tout ici. Au début. Puis... Quand on veut jeter quelque chose, en fait, quand on veut faire ça, voilà, ça met divisé. Il y a un requin martel. Du coup, on y va. Zou. Oui, je vous attends sur place, il y a un requin martel. Bah, faut voir le taper pour le démonter, pour choper de la chair et pour survivre, parce que voilà. J'ai débloqué la flotte aussi, je vous rappelle. Oh, hein, pour, j'ai débloqué les bouteilles d'eau. Ça a été déplacé aussi, ça. Alors, j'ai pas touché ça, moi. Ah, bah, je trouve plus. Où sont les bouteilles d'eau qu'on avait peut-être sur nous là? J'ai débloqué des bouteilles d'eau, moi. Voilà, bouteilles d'eau. Oui, mais faut les crafter. Comment? Faut les crafter. Moi j'en ai une sur moi. On a besoin de 6 verres, c'est pas dit que. On est suffisamment. Mais c'est pas le sujet, si on y va maintenant, Rick, t'es parti où là? Et vous êtes où là? Ah, t'es passé moi je suis sur place. Attends, mais en fait, je suis à côté de toi en fait, Rick, mais j'attendais en fait que tu reviennes. Non, j'ai le mauvais bateau. Et t'es où? Ah oui, d'accord. J'étais au bateau, j'étais à côté. C'est marrant. Pardon. Bon, bah, il n'y a plus de carburant, ouais, je comprends pas parce qu'il en restait pourtant. Ah bah, ça, c'est la magie du cinéma. Alors, c'était vers où déjà? Il me semblait bien ne pas avoir vu le fait de bidon, c'est pourquoi je me posais la question. Mais après. Ah non, moi j'avais pris que. J'avais pris le minimum. Ça, c'est quoi? C'est ça, on l'a fait le manoir? Oui, ouais. C'est après. T'es tout droit là, Gadu? Oui, alors, oui, c'est là où je suis. Et je vois que c'est TVH. Ouais, si j'attends Gadu, on est à peu près de. C'est derrière TVH en fait, hein, on n'a pas le symbole, mais. Le problème c'est que je pense que ce qu'on voit au fond là c'est autre chose, hein, c'est le point d'après ça. Ici. En dessous. Donc on a un batal. Et ben je propose qu'on aille voir le batal. Avec un rocal. Ah oui, effectivement. Oh, il y a un martal. Attends, on va essayer de passer à grailler. Salaud! J'ai cru le voir, foncer sur moi, c'est bon. Alors. Il y a double battle aussi, si je peux me permettre. Et double requin aussi. Ouais, je peux. Sur le petit là. Donc les viewers, c'est ce truc là qu'on va essayer d'aller fouiller. Parce que le petit bateau qui est. Il veut croquer le cucu. Ouais, alors rien qui est en chimique. Oh là là. Voilà, donc on ira voir ça après. On ira voir ça dans une seconde. C'est juste que c'est quand même chaud. Hein. Bon, il est mort. Bien joué. Bah, si tu peux ramasser sa chair. J'ai un bout de requin. Il y a des palourdes là. Ok, il y a le premier bateau qui est à côté. Oh, putain, j'ai plus d'air. Ah. Je vais essayer d'aller voir le bateau qui est à côté d'abord. Parce que c'est assez profond, effectivement. Ah, c'est pas un bateau, c'est un camion. Je vais ramasser ce qu'il y a dessus quand même. Alors, du coup, ça va faire un sac de ferraille probablement. Mais bon. Ah, et de l'essence, Rick, tiens. C'est parti de flingue. Ça tape encore un bidon d'essence, donc deux bidons d'essence, c'est cool. Je remonte à la surface. Ouais, enfin super gaffe, hein, parce que là, c'est vraiment les bouteilles d'oxygène qu'il nous faudrait, mais j'en ai pas vu à débloquer encore. Si, débloquer, si mais ça coûte un peu cher. Ouais, comme d'hab. Par contre, il n'y a pas d'usure, ça qui est bien. Regardez les beaux, ce bateau, les vieux. Aïe, 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 aïe. Les beaux, ce bateau, là.
C'est ça qu'on va aller fouiller. Mais avant, je voudrais fouiller ça. Quand on n'a pas de torche sous-marine, et puis il va commencer à faire nuit. Hop là. Ah, du cuivre. Tiens, munitions dans le bateau à côté. On va prendre du cuivre, on en aura besoin. Copper O. J'ai ramassé des munitions dans le bateau qui était à côté, pour info. Dans la cabine, il y avait des munitions. Je remonte à la surface pour reprendre de l'oxygène. Et on va refouiller le Neptune. C'est compliqué à fouiller. Bah, il faut remonter tout le temps, c'est chaud. Hein. J'ai fouillé deux trucs et après, je suis en bas du bateau avec ma Vicky descendre. Ah oui, je sais, je me doute. Je recherche là de la ferraille. La ferraille que j'enlève. Je voulais souiller hein, si vous voulez le fond. C'est mal modélisé ou c'est ma carte graphique là qui a du mal à générer les choses là, parce que niveau texture là, c'est dégueulasse. Hein. Pour ma part. J'ai du mal. Je suis en train de fouiller le pont hein, pour info, hein, plus que le bateau. Je vais prendre l'oxygène. Là. J'ai le temps de fouiller à côté. J'ai les palmes, hein, les viewers, pour ceux qui se posent la question, qui vont dire que j'ai pas ramassé les palmes de TVH qu'il m'a fait. Bah si. Mm-hmm. Ben il les met pour le voir. Ferraille, 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 ferraille. Toolbox, ah t'es dessus. Bah c'est pas grave, mais... Ah c'est vrai. Ah beaucoup de ferraille, donc du coup on va s'en servir pour customiser la base, les viewers, hein, ça c'est clair. Alors je sais pas si on est sur le même bateau là, j'ai l'impression qu'on est pas sur le même bateau. Ah, il y a un petit problème d'orbite. Tout à l'heure en fait. Je suis au-dessus, à l'étage. Je vois pas, je crois qu'on est pas au même bateau. Ouais, je vois, je vois que vous allez beaucoup plus loin que moi là, on est pas du tout au même bateau là. Tu restes petit ? Il y en a deux collés. Ah, c'est bon, je vois maintenant, je vois. Autant pour moi. Je suis sur le pont en fait avant. Je suis sur le pont avant et là je descends en fait dans la cale mais à la. Donc, il y a quoi dans le coffre-fort ? Des jumelles, des gants, un cheval à bascule, un GP20 cassé et un plan de structure renforcée. Un cheval à bascule. J'apprends les structures tout de suite. Là, tiens. Table ronde, j'ai obtenu moi. Au cas où on a envie de jouer Arthur. Ouais, faut les apprendre tout de suite, t'as fait un slot en moins déjà. Ouais, mais déjà je remonte à la surface avant, tu sais quoi, avant de me noyer, c'est mieux. Ah, c'est limite, j'ai perdu 1% de vie, un truc comme ça. Je vais l'apprendre maintenant, donc le plan de la table ronde en vert. C'est appris. Plan étudié, c'est fait. J'ai plus que 3 slots sur moi, hein, pour info. Parce que là, dans la cale, là, en fait, le bateau, il est riche en ressources, hein, forcément. Il a quasi plus rien, en vrai. Il y a du soufre là que tu pourrais ramasser. Il y a du métal au fond que t'as pas ramassé, mais c'est du métal. De la ferraille. Ah, j'ai du cuivre, là. Alors, j'en monte vite, hein, les viewers, je fais ce que je peux. Je vais prendre des dégâts, probablement. Je pense que là, j'ai mal prévu. Ça va être super limite, mais au pire, je perds un tout petit peu de vie, ça va. Peut-être même pas, tiens. Allez, même pas. Juste, tout pile. Eh ben, c'est nickel. On n'a pas de coffre hein, dans le bateau à moteur. Hein. Si, un coffre. Oui. Encore, c'est déjà full. De conneries. Pas de conneries. Il y a du chien, un chevalier avec son casque. Bah, comme vous, non? Comme moi, pas comme moi. Eh, il y a des algues rouges, hein, TVH, toi qui dis qu'il n'en trouve jamais. Ouais. Quoi, ça m'a fait spawn sur l'île des Pabos. Ah, t'es mort, toi? Ouais. Comment t'es mort? Ah oui, t'as spawn sur la colonie des mutants. Ouais, mais y'a personne. Ouais, non, mais où? Ah bah. Si? Ouais, tu leur diras ça, hein. Y'a des sacs qui tombent là. Y'a un sac qui tombe. C'est quoi le sac? C'est le sac de Rick? Ouais, laisse-le tomber. D'accord. Et donc y'avait du monde sur l'île? Je vais pas regarder. Alors, je retourne. On va refouiller en dessous. Je fais le tour parce que visiblement il faut être plusieurs parce que déjà qu'on voit rien. Je suis désolé les vieux, on voit pas grand chose. Hein. Ah, mais il y a deux cailloux de soufre enculés. Enculés comment ça Accumulés. Ah. Je disais aussi prenons le TVH. Effectivement, je pense que vous avez déjà fouillé le bateau en fait. J'ai fouillé la partie qui était basse, la partie où il n'y avait pas de. GP20 cassé. De deuxième étage, tout ça là. La partie plate quoi, je sais pas comment je pourrais l'appeler mais. Ah! Quoi? Ça me dit quoi ça? Il m'a dit quelque chose là. Il y a un truc qui est apparu là, les viewers. On est d'accord ou pas? Il y a un truc qui est apparu ouais, là, mes frères. Il y a mes frères qui sont remontés là. Ouais. Tes frères? Mes flairs. Ah. C'est moi qui sourd ou c'est TVH qui parle bizarre? Pas normal. Vous avez fouillé le bateau, hein, j'y vais pas. Il est très beau, mais. Moi j'ai fouillé ce que j'ai pu fouiller. Donc le Neptune, ça c'est fait. Logique. Rick, toi t'as réussi à rejoindre ou pas?
Oh, voilà, bah je suis là. En train de miner du copper là. Alors moi j'ai des crabes pour info, les vieux. Là ça va de la lance. Ah, mais non, des flares, pardon. Par contre, pêcher le poisson comme ça, c'est un peu cavalier, j'ai envie de dire. Je crois pas qu'on puisse ramasser ce poisson là, ce que j'ai besoin de. Je pense pas qu'on puisse le ramasser. Je fais n'importe quoi, mais c'est pas grave. Ok, est-ce que du coup, Rick, tu peux revenir et qu'on rentre à la maison avec ce que t'as pris sur ce bateau et dans ton stuff? Ah, je vais mourir. C'est bon, je suis là. Tu vas mourir, TVH? Des saignements. Mais t'as fait quoi? Il est parti taper sur les ennemis? Non, il y a requin. Bah, pourquoi tu tapes sur les requins? Ils veulent me tuer. On t'avait dit que les requins c'était dangereux. C'est plus un facile que forcément, voilà. Bah... Il y a des trucs à vendre, on les vend tout de suite, hein, ça ira plus vite. C'est pas venir des pièces, ouais. C'est bon, oh, j'ai un HP. J'ai une bouteille de vin, j'ai un téléphone portable à vendre. Parce que moi j'ai des choses à vendre aussi. Bah, moi j'ai de la peinture à l'huile. Mais c'était pas vendable en fait. Putain, je vais juste vérifier, je crois. Non, c'est pas vendable. Hein. Ouais, ah si, je peux vendre le téléphone portable. What do you want to action? My stuff, not enough, not deal. Ok. Not enough. Fine! Je peux avoir deux pièces contre un téléphone portable. Est-ce que je le vends? Ou je te le donne? Bah là, moi je viens de vendre un téléphone et la bouteille de vin pour 4 pièces. Ouais, à 3, elle était. Pour une pièce, elle était prête à me l'acheter. Hein, mais... Ah bah tu m'étonnes! Et bon, la batterie, combien elle en veut? J'ai eu deux pièces moi. Bah moi à 4 pièces elle veut pas me vendre la batterie pour ton scooter là. Elle te dit quoi? Bah pas assez. Pas assez du tout ou Ouais, donne-moi les deux pièces. Ouais, c'est ce que j'allais dire, ouais. Je te donne les 4, c'est pareil. Non, tiens, je te donne. Tiens. Je pense qu'on aura pas assez. Hein. La batterie... Comment on recharge la batterie? Morzat... Ah putain, 6 c'est juste. Bah sinon on va retourner à la maison. Ah, j'y rajoute les binocles. Ouais, mais les binocles, c'est à vendre ou c'est des trophées? Les binoculars, non, non, c'est les jumelles, là. On en a une autre paire dans le radeau. Donc. Les sens, tu vois. Elle veut pas? Allez, tiens, t'as ta batterie. Ah, tu l'as eu quand même, t'as réussi à le... Ouais. Nickel. On va attendre qu'on allait jeter un oeil justement aux jumelles, là, parce que... Le problème, c'est qu'il fait encore nuit, quoi. C'est super. Prends les jumelles dans le coffre, là. Alors... Trace déjà parce que j'ai froid, d'accord. Et je vais prendre les jumelles sur. Je vais prendre les trucs qui sont intéressants à prendre d'ailleurs. Parce que là on va commencer à tout ranger. Substance chimique, ouais d'accord, les coquilles Saint-Jacques qui sont bonnes à cuire. Faut que je prenne ça, puis j'ai décidé toute la merde de toute façon. Oh je rigole. Par contre quand on est gelé en fait il se passe quoi là? Tu perds de la santé. On n'a pas fait de feu de camp. On peut voir. Attends, vu ce que j'ai sur moi, ça va être compliqué. What? Ok, c'est le festival là de. Oula, bah, ça, il y a un truc qui est tombé à l'eau, j'ai même pas eu le temps de voir où il a été, il a disparu. Pourquoi vous jetez vos trucs là? Quel truc? Ah là, il y a plein de cartons. Où ça? Par terre. Ah oui, là, exact. Je sais pas. Seau d'eau et charbon de bois. Charbon de bois. Tu te débrouilles. On va voir qu'on débloque la poudre noire, parce que là, on commence à avoir trop de charbon de bois. Putain, le pantalon, c'est ça qu'on va faire, putain. Il y a un coffre que j'aime beaucoup, moi. Avec le bordel. Non, y'a pas de bordel, qu'est-ce que tu racontes là? Y'a les pièges, je vais les mettre là. Le gun, tout ça, là, c'est où les trucs de gun? C'est là, nickel, parfait. Ouais, mais ça va pas le faire non plus, l'histoire de gun. Attends, j'enlève les guns, là, on va les mettre avec les pantalons plutôt. C'est plus logique déjà. Ah, c'est le coffre avec toutes les décos qui servent pas. Bah, faudrait soit les déposer, on peut pas les ramasser les décos, je les cassé. C'est ça qui est chiant. Faut qu'on se fasse à l'intérieur en fait, faut qu'on fasse vraiment un bâtiment. Propre et puis on mettra tout dedans quoi parce que là c'est pas possible, c'est triste quoi mais... Alors,
L'essence, du coup, bah, il me reste, tiens, 2 bidons d'essence. La ferraille et des algues, ça, les algues. L'essence, tu peux le mettre dans le véhicule. Je vais déjà nous faire un peu de place là. Quand je descends, faire des fondants en métal. Oui, alors là, il y a un sens sur les fondants en métal aussi ou pas? Parce que attends, avant de les poser, tu fais pas. Oui. Voir. Il y a un sens, hein, mais c'est bien, elles sont toutes dans le bon sens. Mais moi, j'arrive pas à les tourner. Elles sont toutes dans le bon sens. Non, mais en fait, il faut pas les tourner. Il faut que tu regardes en fait le sol qui est à côté. Oui, je sais, c'est ce que je fais. Mais regarde. Hop là, c'est bon, stop, 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 stop. Les premières fondas, là où il y a l'établi, c'est pas moi qui les ai posées. Par contre, les autres avec l'extension avec le four, ça c'est moi qui les ai posées, mais c'est pas le même sens. Tiens, Rick, là, celle qui est là, dans le coin, là. C'est là, je peux te prouver que tu peux mettre dans un sens et dans l'autre. Parce que t'es dans un coin. Il faut juste regarder en fait soit le sol où je suis, soit le sol qui est à côté. Et ça te changera le sens en fait du sol. J'ai cassé ma torche. Voilà, elle a disparu. Voilà. Maintenant, je vais mettre des murs. J'en fabrique une autre là. Mur avec fenêtre ou sans fenêtre? Fenêtre, on verra mieux. Il va falloir qu'on dorme aussi, absolument. Même prix. Hein. Sinon, oui, mais sauf que le problème c'est que. Moi, ce qui me prend la tête avec ce jeu, là, les viewers aussi, là, c'est qu'il fait presque jour. Et du coup, ben, on va pas dormir. Donc je pense qu'on va passer en fait la nuit blanche. On va dormir à la prochaine nuit parce que là c'est pas possible en fait. À un moment faut rater des conneries. Hein. Ça décale en fait. Et c'est bien toujours. Hein. Bah c'est ça, c'est pour ça, c'est plus aucun intérêt là. Au passage les viewers, ce que je voulais faire c'est un truc super important, c'était ça. Ça c'est relativement important. Voilà, ça au moins c'est posé. Je vais tirer un clic droit pour quitter, il n'y a pas d'autre méthode. Et... voilà. Ça, je voulais faire parce que ça m'énervait. Et bah, autant de fenêtres? Ouais, on les verra arriver. Ils vont passer par les fenêtres, tu vois. Même prix. Quasiment passer par les fenêtres. Tu prends ta batterie, je l'ai mis là où il y avait les. Le scrap metal. Est-ce que vous avez pris au passage les coquilles Saint-Jacques qu'on avait ramenées là qui sont pas cuites? Bah qui sont là, bon, ça tombe bien. Oh mais déjà manger coquilles Saint-Jacques actuelles, arrêtez de me ramener les coquilles Saint-Jacques. Ah bah j'en ai rajouté deux encore là. Ça au moins on est sûr que y en a assez. Bon au niveau bouffe on commence à être bien, je m'inquiète moins. J'étais inquiet à un moment. Je suis on va commencer à prendre dans les stocks les piles de bois, le bois. Un peu de cuir et de bois. J'ai encore du bois moi perso, dans mes 10. Bon, ça va mieux. Je mets deux portes, comme ça on se gênera. Attends, vous avez fait la connerie. L'histoire de la flotte, c'est de rester toujours près de l'eau, c'est pas négociable ça. Parce que sinon on fait des allers-retours, c'est super chiant. Et là on peut pas. Donc faut trouver une méthode, soit avec une fenêtre, au bord de l'eau, ou une trappe sous l'eau. Qu'est-ce qui se passe? Attends, c'est quoi le bordel? Bah, pour remplir en fait le truc de flotte là, faut qu'on aille chercher un seau d'eau. Et quand tu le remplis de 5, faut faire 5 allers-retours. Vu qu'on était proche de l'eau, tu peux pas mettre un tuyau. Je sais pas. Peut-être dans le brédant, peut-être. Ouais, tu l'as par en dessous là, tu y accèdes par en dessous. Comment tu fais toi? Là, je peux là, en dessous. Boire de l'eau ou remplir? Remplir. Drink water, take water, add sea water, add wood. Moi j'ai accès au coffre. Parce que sinon, et c'est chiant. La flotte, tu as. Hein. Donc, y'a pas de soucis. D'accord, ok, parce que sinon c'est problématique, hein, s'ils sont là. Non, tu te mets en dessous et tu peux remplir et les deux. Mais enfin bon, si ça passe, c'est le principal. Ok, nickel. Je repose ta bouffe encore. Hein. Parce que tu la cuis pas, donc c'est moi qui fais le cuistot maintenant. Hein. Oui, Saint-Jacques, y'en a masse. Et le charbon de bois, bah, ça commence à devenir indécent, je sais. C'est comme ça. Bref, et ben ça c'est nickel. Du coup, qu'est-ce que vous proposez de faire? Est-ce que, bah maintenant que t'as construit à peu près la base, débloquer la poudre noire. Vite fait quoi, parce que là la base, il est vraiment vite fait. Faudrait qu'on change en fait. Mais au moins, voilà, ils peuvent pas accéder à nos coffres s'ils arrivent jusqu'ici. Ouais, mais je pense qu'ils le feront pas. De toute façon, je pense qu'ils vont nous taper nous. Ils cherchent pas la base. Je pense qu'ils cherchent à nous taper nous. Ouais, je sais pas. Les premiers peut-être, mais. Je sais pas, c'est théorique. Mais au moins là, on est bon. Pardon. le jour se lève. Est-ce qu'on en profite pour aller fouiller autre part ou pas? Est-ce qu'on a... Tu veux aller fouiller au nord, le truc au nord? Alors on peut fouiller au nord, on peut fouiller à l'ouest. L'ouest, sur la carte, là, vous avez vu les vieux, il y a de quoi faire. Il y a un point qui est hors de la zone, mais bon, ça c'est encore autre chose. Je sais pas si on va tout fouiller en vidéo parce que ça risque d'être très long. Enfin, je pense. Ce qui est con sur la map, c'est que ça nous dit pas où on est. Hein. Enfin, si ça nous dit où on est, mais ça dit pas où est notre île. De base.
C'est l'île des naufragés. C'est ça. Moi, j'aurais bien aimé aller visiter la colonie du mutant. Allez, on y va. On va se taper. Bah, est-ce que vous êtes on est protégé maintenant. Là, on a des armures, on a tout ça. Ouais, mais vous avez avec une lance en bois. Non, hache en métal. J'avais qu'un sac par contre. Attends. Là, hache en métal. Hache en métal, ça tape plus fort. Moi, j'ai pas de sac, j'ai rien, mais si tu veux, on s'en fout, on est là pour farmer. On est pas là pour. Attends une seconde, par contre, je vais faire ça. Ah, comme ça, là, au moins. C'est sûr. Voilà, comme ça, je vais compter. Voilà. Ça rajoute une rangée. On peut y aller ? Allez, go ! Comment on ferme la porte ? Ah oui. Ah merde, j'ai ouvert un coffre fermant. Bah oui, c'est un peu le risque, ce que je disais, c'est un peu Est-ce que t'as remis d'essence dans le bateau du coup ? J'avais non, mais t'en as loot alors, je pense que t'en as remis. Non, pas du tout, il a combien de bateaux ? Il a 10 et quelques. Franchement, 10 et quelques, ça va aller, non ? Mais j'en ai pas remis, hein, non, j'ai mis l'essence à côté, donc si quelqu'un l'a fait, oui, mais bien sûr, on est pas très loin, mais Ah, et la colonie on voit bien la même, hein. Oui, c'est bon. Oui, oui. Les jolies colonies de mutants. Merci maman. C'est pas grave. Ouais, pardon. Bon. Pardon. On descend, on fait quoi là? On fait kill ou pas? Je sais pas si on rentre par là ou si on peut rentrer par ailleurs. Bah, y'a que. C'est à peu près la même entrée. Alors, je vous confirme, y'a des mutants à l'intérieur. On oui, je sais. Là, on peut peut-être passer par là. Là. On va les attaquer par derrière. Ça prend 4 coups. Oh, même salut. Par en dessous! Ils sont là, ils m'attendent! Les jolis! Attends, ils ont des matraques et tout, hein. Il y a du loot! Ils ont des matraques! Hein. Je les attire un peu, tu vois, pour les pour que Rick les freakin! Pourquoi je peux pas taper là? Bon, ils ont été tués! Ah, mon bonhomme il tape deux là! Faut prendre une hache en métal! D'accord, il y a un ennemi qui attaque son propre tourbillon. Alors, s'il y a des choses à ramasser sur eux, on les ramasse, hein, d'accord. Si vous voulez du faire du kill, de toute façon. Hein. Ouais, il y a déjà plus personne. Non, ça va être seulement. Bah, c'était pas beaucoup. Une colonie, c'était 4. Eh, par contre, j'ai chopé une magnifique robe. Une jupe fendue pour Rick. Ah. Viens là, ramène peut-être. Ah. Oh, Silver Point, ils ont fait bah du commerce aussi. Les smokers, ils ont toujours des pognons sur eux. J'ai pris du tissu, moi. Dans le coffre en. Là, il y a un vieux bateau. C'est quoi ça? Bon, t'as assez. Ça va ramasser aussi, ça. Et au fond, il y a quoi? Il y a ça. On cherche. Qu'est-ce qu'on a de quoi? Ouais, alors des composants, c'est cool. Et un peu de bouffe. Il y a un coup cuit au four. Ah. Putain, comment on a dépop leur base en 2 secondes, là? Et ils ont pas le temps de dire ouf. Hein. Question de Gadul, la caisse qui est là où j'étais, tu l'as loot dedans? Je l'ai pas. Vous étiez tous les deux dedans, donc. Ok, parce que t'as bien eu les objets? Oui. Ok, j'ai dédoublé le stuff. Confirmation maintenant. J'ai 3 composants et des tissus dedans. Ouais, mais je pense qu'on a eu la même chose, ouais. 3 composants et des tissus, je sais plus, mais il y avait des composants, c'est sûr. 3. Magnifique base en tout cas, vous avez vu. Eh, j'aimerais avoir une base comme ça, moi, elle est stylée. Et bah on s'installe. Avec un port et tout là. Bah non, parce qu'elle est pas à nous. Et si repop, on fait quoi? J'ai rien. On va leur dire au revoir. Il reste que 24 mutants. Ah, du coup, ça fait quoi? Ça les habitue dans les factions ou pas? Ça a diminué le nombre. Ouais, et ils ont moins d'îles. Il y avait 3 îles, ils ont plus que 2 îles. Donc ça les a bien en fait. Ouais, mais on peut pas les revendiquer. On a quoi? Y a rien pour revendiquer. Bah, elle est plus en rouge. Elle en blanche. Bah, moi, si, en haut à droite, elle est toujours. Non, elle est rouge. Ah, oui, elle est plus en rouge carte. Sur la carte. Ouais, si, moi, ça. Non, moi, sur la 100%. Carte, elle est rouge. Ah, moi, je veux 100%, elle est en blanc. C'est moi qui héberge hein, les viewers, donc. Ouais, mais normalement, on est censé partager. Quand vous tapez les ennemis, fouillez-les après, s'il vous plaît. Parce que là, vous en avez laissé. Moi, c'est fait, ouais. Mais ouais, c'est non, chacun. Mais c'est... On voit chacun le. Ah, bah là, c'est obligé différent. Alors. Là, on a des synchros, alors, c'est obligé, là. Bah, non, ouais, bah, à chaque fois, c'est comme ça. Non, pas à chaque fois. Pas à chaque fois. Non, non. Bah, des fois t'as rien dedans. Ouais, oui, des fois y'a rien dedans. Bah, c'est pour ça. Et là, les 3 que j'ai fouillés, là, ils étaient tous se faire. Y'a rien en dessous, y'a rien. Parce que c'est un peu posé un peu bizarre. Y avait, mais j'étais pop. Ça peut poser un peu bizarre leurs îles en fait, là. Je regarde s'il y a rien en dessous aussi, hein, puisque j'y suis. Mais les cailloux ils flottent et tout, c'est, je sais pas, c'est bizarre. Construit très bizarrement.
Bon bah bref, et bah si on a fait le tour, je pense qu'on va peut-être rentrer à la maison, c'est déjà pas mal ce qu'on a fait aujourd'hui là. Ça vous convient? Ouais. On va aller voir une autre, hein. Même si on est sorti. Je m'attendais à ce que ça dépeuple quand même moins vite que ça là. Après c'est les premiers mobs donc. Oui, peut-être que les mutants c'est les plus faciles en fait, qui sont dans l'ordre en fait les vieux. Hein. On a les mutants, les pillards, les esclavagistes, tout ça, hein. Puis la tribu des têtes de guerre, à mon avis, celle-là est méchante. Ils ont des armes et tout, alors que tu vois, les premiers, c'est que des couteaux. Après c'est des poignards, après à la fin c'est des mitraillettes quoi, donc on va dans l'île juste derrière là. Il y a un immeuble en ruine. Si on a le temps, oui, je ne sais pas si la vidéo est Allez go. Si on est bien ou pas là. Y aller. Bah je suis là moi. Allez, tu peux y aller. L'île radio tu veux dire? Ah mais les radios, il y a peut-être autre chose, les radios. Ouais, elle a l'air d'être grosse, Eric. On devrait se laisser là avant quand même. Sinon la vidéo va durer des plombs. Ok, ouais. Ça marche. Mais sinon elle a l'air super sympa. Hein. Ouais, on rentre à la maison, donc on rentre à la maison et puis on fera ça à la prochaine vidéo les viewers. Comme ça, sinon la vidéo va durer 3 quarts d'heure, c'est peut-être top quoi. T'arrives pas à tourner? T'es coincé? Ah, c'est bon. Okay. Ah c'est les maraudeurs là. Ah c'est pas les mêmes alors? Non. Maraudeurs, y'a pas de maraudeurs. Pas de maraudeurs. C'est une blague là. Ah mais des mutants comme eux. Ah, des ruines. Ruines inconnues. On l'a fait ça? Si on les a fait. Ouais, on les a fait. 90% on les a fait. Bon nickel, on va rentrer ici. Je pense que c'est pas mal, mais c'est vrai que les mutants il y a plus de. Non, on ira voir l'autre ado là, c'est des mutants les autres l'autre ado là. On va tous y dépop les filles. Là j'ai l'impression que t'es en train de courir sur place. Moi? Ouais. Ah ouais, non, je te confirme que je suis assis hein. Allez go. Nickel, et ben c'est parfait, du coup on va pouvoir se laisser et on va pouvoir se dire à bientôt pour la prochaine vidéo. Allez bye bye. Allez bye bye.